السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أحبابي وإخواني وأخواتي, شرفني الله تبارك وتعالى بالحضور فيما بينكم, وشرفني الله تبارك وتعالى بحسن ظنكم بي. وما يقال فينا وفي غيرنا إنما هو من توفيق الله سبحانه وتعالى لا غير. وما يظهر من الناس يؤدي إلى أن يمدح, ولكن لا ننسى أننا بشر وأخطاؤنا كثيرة وذنوبنا عديدة, ولولا ستر الله تبارك وتعالى علينا لما وجد أحد خصلة خير يمدح بها صاحبه, فالفضل كله لله تبارك وتعالى. وما دام الله عز وجل يستعملنا في طاعته وفي نشر دعوته فهذا هو الأهم, سواء قام زيد أو عمرو فهذا لا نبالي, إنما المقصود أن يصل كلام الله عز وجل إلى القلوب. وكما كان أبو بكر رضي الله عنه يدعو بعد أن يمدح, وكان أحق الناس بالمدح رضي الله عنه, ومع ذلك كان يقول: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. فتأسيا به واقتداء بسنته رضي الله عنه نقول كما قال: اللهم لا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لنا ما لا يعلمون واجعلنا خيرا مما يظنون. بارك الله فيكم pour votre présence, et والله vous êtes, vous avez plus de mérite que moi dans votre présence, que moi dans le fait de vous parler. Et ce qui peut arriver pour certains d'entre nous en ce qui concerne la prêche, ben le prêche, que ce soit ici ou ailleurs, n'est que la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et que s'il ne nous accorde pas la réussite, rien n'arrivera. Et wallahi, tout ce qu'on peut faire, ou bien tout ce qu'on peut dire, on ne le compte même pas. On ne le compte même pas. Les salaf, rahimahumullah, quand on leur demandait: pourquoi demandes-tu la science? On leur demandait à l'imam Ahmad, rahimahullah: هل طلبت العلم لله؟ فقال لله عزيز لكنه شيء حبب إلي فطلبته.
Il lui a demandé, est-ce que tu as demandé la science pour Allah? Il a dit, pour Allah? C'est dur. C'est dur, c'est-à-dire, c'est dur pour moi de dire que j'ai demandé la science pour Allah. Mais la science est une chose qu'on m'a fait aimer, alors je l'ai demandé. Kadalikum. Toute personne qui fait quelque effort possible, qu'il ne compte pas sur ces efforts-là, ou bien sur ce qu'il peut dire ou faire, car Allahu a'lam, Allah sait mieux la pureté de son intention. Il se peut qu'on visite tous les quatre coins du monde, en faire da'wah ici et là à tout le monde, et comme l'intention n'est pas bonne devant Allah Ta'ala, ça n'a pas de poids. Al-Maqsoud, quoi qu'il en soit, je vous remercie pour l'opinion que vous avez de moi. Comme il disait Abu Bakr radiallahu anhu quand on lui faisait ses éloges, et alors qu'il méritait plus que quiconque qu'on lui fasse ses éloges, il disait, Ya Allah, ne me punis pas pour ce qu'ils disent, et pardonne-moi ce qu'ils ignorent, et rends-moi meilleur que ce qu'ils pensent de moi. Donc si Abu Bakr radiallahu anhu disait de telles paroles, qu'est-ce que nous on doit dire? Et sachez que on arrive à se complimenter les uns les autres, on arrive à trouver du bien chez les uns ou les autres, que parce qu'Allah Ta'ala a caché nos péchés aux yeux des autres. Et même si nos actions peuvent paraître nombreuses aux yeux des gens, eh bien les mauvaises que l'on peut accomplir peuvent être même des fois plus nombreuses encore. Sauf qu'Allah, il les cache. « وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا » Donc, na'am, on reconnaît le droit que certaines personnes ont sur nous. « حَتَى قَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ » Il a dit, lorsque quelqu'un d'un certain rang auprès d'un peuple vient vous voir, alors honorez-le. C'est-à-dire donnez-lui un accueil qui coïncide avec son rang. Mais quoi qu'il en soit, khayrun umuri awsatuha. Hein? Toujours on reste au juste milieu. Ni trop, ni pas assez. Ni trop, ni pas assez. Quoi qu'il en soit, fermons cette parenthèse et rentrons dans le vif du sujet. Le titre, comme vous l'avez entendu précédemment, قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Dites لا إله إلا الله, vous réussirez, vous gagnerez. Cette phrase a été dite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un contexte particulier. Le hadith qui nous rapporte ce contexte-là est rapporté par Ibn Abi Shayba, الدارقطني والبيهقي عن طارق ابن عبد الله المحاربي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسوق ذي المجاز وأنا في بياعة يعني في تجارة وأنا في بياعة لي فمر وعليه حلة حمراء فسمعته يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ورجل يتبعه يرميه بالحجارة وقد أدمى كعبيه وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوا هذا فإنه كذاب الحديث. طارق بن عبد الله المحاربي se trouvait dans un des marchés de la Mecque qu'on appelle souq ذي المجاز. Et il commerçait, il vendait ses produits. Il a vu un homme passer. Il portait une tunique de couleur rouge. C'était le prophète, alayhi salatu wassalam. Et cet homme-là poursuivait les gens dans le marché. Et il leur répétait à tous, « Oh les gens, dites la ilaha illallah, vous gagnerez. » Et derrière le prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait un homme qui le suivait et qui lui jetait des pierres à un point où il lui a fait saigner ses chevilles et ses talons.
Et il répétait inlassablement derrière le prophète alayhi salatu wassalam, oh les gens, n'écoutez pas celui-ci, ne lui obéissez pas, c'est un menteur. Cet homme-là, qui jetait des pierres au prophète alayhi salatu wassalam, il s'appelle Abdul Uzza. Qui peut me dire comment il est plus communément connu? Hein? Abu Lahab, barakallahu fik. Abu Lahab. C'est Abu Lahab, son oncle, qui, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui le pourchassait dans le but de s'opposer à lui et de l'empêcher d'appeler les gens à Allah azza wa jal. Moi, quand les frères ils m'ont proposé de parler de ce hadith, j'ai été au départ tenté par développer ce hadith sur plusieurs points. Premièrement, la hargne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dans la transmission du message, à un point où il poursuivait les gens dans le marché, toute personne qui passait, et il leur disait inlassablement cette phrase, dites la ilaha illallah, vous gagnerez. Aussi la hargne des ennemis de l'islam, depuis toujours les gens qui ont pris comme ennemis les musulmans font tout leur possible pour leur barrer la route, quels que soient les moyens possibles et imaginables. Et ne crois pas que les ennemis seront des gens qui seront loin de toi. Bien au contraire, ils peuvent être les plus proches de toi, comme Abu Lahab était l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ne crois pas forcément que ton ennemi sera celui qui était le plus lointain. Il peut être de toi le plus proche, avoir le même sang que toi et la même couleur de peau, voire même aujourd'hui dire, sans aucune hésitation, la même religion. Al-Muhim, le but de ce hadith aujourd'hui, c'est de mettre en évidence la grandeur de cette parole qui est la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah jalla wa ala. Donc il n'y a d'adorer réellement qu'Allah azza wa jal. Ou bien tout ce qui est adoré en dehors d'Allah ne mérite pas l'adoration et sont des divinités fausses, alors que le seul et unique à mériter l'adoration, c'est Allah jalla wa ala. Et pourquoi au début de la prophétie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait sur ce point-là? Et la chose paraissait simple. Oulou la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah, vous réussirez, vous gagnerez. Et pourtant les gens ne le disaient pas. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. Lorsqu'on leur disait la ilaha illallah, ils s'enorgueillissaient et ils disaient, est-ce qu'on va délaisser nos divinités pour un poète fou? En parlant du prophète alayhi salatu wassalam, ou encore dans surat Sad, quand Allah ta'ala il dit, aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadha la shay'un ujab. Est-ce qu'il a fait de toutes les divinités une seule? Ceci est certes une chose étrange. Les Arabes, quand on leur disait la ilaha illallah, ils comprenaient son sens. Et ils comprenaient qu'en la prononçant, ils devaient absolument renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal et attribuer l'adoration à Allah Ta'ala seul et exclusivement. Ils refusaient alors de la dire. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fléchissait pas et restait ferme dans sa da'wah. Tu dis la ilaha illallah tuflih. Wa al-falah kama 'arrafahu al-ulama huwa al-husul 'ala al-matlub wa al-najat min al-marhub. Fayashtamilu amrayn. Yashtamilu amrayn. Al-falah, en arabe, la réussite, comme on pourrait traduire en français, ça implique deux choses. C'est le fait d'obtenir ce qu'on désire
et d'être préservé de ce qu'on fuit, de ce qu'on craint. Donc quand tu dis de quelqu'un aflaha, il a certes réussi, eh bien ça veut dire qu'il a obtenu ce qu'il convoitait et il a été préservé de ce qu'il craignait. Et quand on réunit les nombreux textes qui nous décrivent tous les biens qu'il y a dans cette parole, la ilaha illallah, on comprend pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit cette parole-là. On comprend pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit aux gens que si vous dites la ilaha illallah, vous gagnerez, vous réussirez. Et sachez qu'il y a énormément de textes qui mettent en évidence les bienfaits de cette parole et tout ce que ça apporte comme bénéfice et avantage. Et tous les citer en une heure, c'est impossible. Même en une journée, c'est impossible. Quoi qu'il en soit, jama'na qadran minha, on a réuni une partie de ces textes-là dans le but de vous montrer en partie à quel point cette parole, elle est lourde. À quel point cette parole a un sens qui lui donne tous ses mérites. À savoir que premièrement, la ilaha illallah est la clé avec laquelle tu ouvres la porte de l'islam et tu fais alors partie des musulmans. C'est en prononçant cette parole que tu es considéré comme étant un musulman. Et c'est la première des choses qu'on demande aux gens. C'est la première des choses qu'on demande aux gens. On a souvent entendu parler, notamment dans les quartiers dans lesquels il y a des fortes concentrations musulmanes, des jeunes de ces quartiers qui côtoient beaucoup de musulmans et qui ils aiment bien faire le ramadan. On a en général connu des personnes comme ça. Les personnes ne sont pas musulmanes, mais comme ils côtoient des musulmans et que le ramadan arrive, tout le monde fait le ramadan, alors eux aussi ils font le ramadan ou d'autres choses de ce genre-là. Nous, on ne demande pas aux non-musulmans de faire le ramadan ou de faire autre chose. La première des choses par laquelle ils doivent passer, c'est de dire la ilaha illallah. Et c'est seulement par la prononciation de cette parole-là que leurs actes sera comptabilisé dans le, bien sûr, le cas où ils sont accomplis correctement. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث. Le prophète عليه الصلاة والسلام a envoyé Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, ce noble compagnon qui était connu pour être un des grands savants parmi les compagnons. Hein, pour où le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam en parlant de lui, a'lamu ummati bil halal wal haram, que Mu'adh était celui qui dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait le mieux le licite et l'illicite. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen, il lui a donné des recommandations avant de le quitter. Et il lui a dit, ô Mu'adh, tu vas à la rencontre d'un peuple qui a eu le livre. C'est-à-dire l'une des communautés juives ou chrétiennes. En l'occurrence ici des chrétiens. Qui était la population majoritaire au Yémen à l'époque. Que la première des choses vers laquelle tu les appelles soit l'attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah. Que la première des choses vers laquelle tu les appelles soit cette attestation. S'ils acceptent cette attestation, alors informe-les qu'il y a 5 prières dans la journée et ainsi de suite. Bit-tadarruj. C'est-à-dire petit à petit. Et la plus importante des choses par laquelle on doit commencer est sans aucun doute cette parole-là qui est le point de départ dans l'islam. D'ailleurs, il y a une mauvaise mentalité qui s'est installée chez beaucoup de musulmans aujourd'hui. C'est le fait de refuser que les gens se convertissent à l'islam lorsqu'ils ont un but second. Notamment quand il s'agit d'hommes qui veulent épouser des musulmanes.
ou bien plus précisément des femmes de confession musulmane. Donc on a des non-musulmans qui ont côtoyé des musulmanes d'origine et qui veulent se marier avec elles. Et comme ils savent que les musulmanes n'ont pas le droit de se marier avec des non-musulmans, alors ils se convertissent dans le but de pouvoir se marier. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent quoi? Non, son islam n'est pas valide à lui. Parce qu'il s'est converti dans le but de se marier. Voilà que mes frères, de par la grandeur de cette parole, la ilaha illallah, c'est qu'à partir du moment où elle est prononcée par une personne, elle fait de lui un musulman. Et les textes dans ce sujet-là sont nombreux. Parmi eux, ce qui est rapporté par Muslim, rahimahullah, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah hurrima maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Celui qui dit la ilaha illallah et qui redit tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et ses biens deviennent sacrés, interdits. Et son jugement reviendra à Allah. Pourquoi vous dites ça, alayhi salatu wassalam? Ça veut dire que nous, on ne va pas chercher dans la poitrine des gens, dans leur cœur, dans leurs intentions. On reste en surface. On reste en surface. Et on se base sur ce qu'on voit. Quelqu'un qui vient et qui nous dit la ilaha illallah, khlas, qabilna, on l'accepte. Bisarfi nadar an hadafihi alladhi ja'abi. Sans regarder le but avec lequel il est venu. Et il y a énormément de gens qui se sont convertis à l'islam dans ce genre de raison, avec ce genre de raison. Et jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé de l'un d'entre eux ces conversions-là. Umm Sulaym, radiallahu anha, la mère de Anas ibn Malik, radiallahu anha, lorsque son époux mourut, elle a été donc demandée en mariage par beaucoup de personnes. Jusqu'à ce que un homme insiste pour la demander en mariage. Elle lui a dit, écoute, tu es un homme comme toi, on ne le refuse pas. Mais tu n'es pas musulman. Convertis-toi à l'islam et j'accepterai d'être ta femme et je ne te demanderai rien d'autre en dehors de cela. Et elle s'est convertie à l'islam par la suite. Et d'ailleurs, Umm Sulaym, radiallahu anha, est la femme dans la communauté musulmane qui est la première à avoir accepté comme dot pour son mariage la conversion de son prétendant à l'islam. Elle n'a pas demandé de l'argent, ni des vêtements, ni des demeures, ni quoi que ce soit. Elle s'est contentée de l'islam de celui qui est venu la demander en mariage. Et cet homme-là, donc il s'est converti à l'islam, hasuna islamuhu. C'est pas, il s'est converti seulement, c'était une parole. Même si, à la base, il s'est converti pour se marier avec cette musulmane. Mais par la suite, il s'est attaché au principe de l'islam et est devenu un des meilleurs musulmans. Donc, tu ne sais pas. Peut-être qu'aujourd'hui, il se convertit pour une raison qui, à tes yeux, est dérisoire et qui n'a pas d'importance. Mais il se peut que demain, il devienne meilleur que toi. Comme c'était le cas pour énormément de musulmans du vivant du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc toi, ne sois pas un obstacle pour la conversion des gens. Si tu peux faire dire aux gens la ilaha illallah, même en leur promettant de l'argent en échange, eh bien fais-le. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Notamment, après la conquête de la Mecque, le prophète alayhi salatu wassalam, après quelques expéditions militaires, a ramassé énormément de butins. Et il distribuait à tout le monde, à des bédouins qui n'étaient pas encore musulmans. À un point où les bédouins en question allaient voir leurs congénères et leur disaient « Ta'alaw halummu ilayna, fa inna Muhammadan yu'ti ata amal la yakhsha al-faqr. » Venez, venez, Muhammad fait des dons de celui qui ne craint pas la pauvreté. Et le prophète y donnait, y donnait, y donnait, dans quel but? Dans le but de les attirer vers l'islam. À un point où Allah Ta'ala a donné parmi les catégories de ceux qui ont le droit à la zakat, à l'aumône, donc obligatoire, que chaque musulman rentrant dans les conditions doit payer, Al-mu'allafatu qulubuhum. C'est qu'il mu'allafatu qulubuhum ala nawa'in, deux catégories. Le non-musulman, duquel on espère une conversion. Donc si on sait qu'en lui donnant l'aumône, ça va le pousser à rentrer dans l'islam,
On dit, tiens, regarde, t'es même pas musulman, on donne l'aumône. Viens dans l'islam et tu verras, ce sera encore mieux. Eh bien, on lui donne. Ou encore le musulman nouveau qui vient se convertir à l'islam, mais qui reste faible, bancal, duquel on pourrait craindre une apostasie ou bien un abandon. Eh bien, pour le conserver, le maintenir, on lui donne aussi hadihi az-zakah. Donc, comment toi, avec de telles règles, tu peux venir dire aux gens, non, 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 toi, tu veux te passer pour te marier avec ma fille? Alors, je veux pas de toi. حتى تكون مسلما حقيقيا هكذا يقولون jusqu'à ce que tu sois un vrai musulman, c'est comme ça qu'ils disent. Ajib hada. Le plus marrant des fois, c'est que ces gens-là qui parlent, eux-mêmes ils sont loin du vrai musulman. À un point, on a entendu certains d'entre eux dire, donc des gens de confession maghrébine, qui ont osé dire à des prétendants, des gens qui sont venus, qui voulaient se convertir à l'islam, ou bien qui étaient déjà convertis à l'islam, moi, ma fille, je la marie avec quelqu'un de mon pays, même s'il ne fait pas la prière, je ne la marie pas avec toi. Ou bien des gens, moi j'ai été au Maroc, il y a de ça 2-3 ans, et j'ai ramené avec moi des frères de la ville où j'habite, et parmi eux il y avait un frère chinois, d'origine chinoise, donc ancien bouddhiste, qui s'est converti à l'islam, alhamdoulilah. Et ce frère, il a fait beaucoup d'efforts, hatta l'an, il en fait encore, donc il a été étudié en Égypte, il parle l'arabe, alhamdoulilah, très aisément, il a fait la umra, il a fait le hajj, et j'ai beaucoup voyagé avec lui, je le connais très bien. J'étais avec lui donc au Maroc, on a visité la famille, je l'ai ramené avec moi. Et il y a des dames assez âgées dans ma famille, des tantes ou bien des grandes tantes, qui le voyaient, ils disaient, subhanallah, il est de quelle origine? C'est un chinois, il s'est converti à l'islam, il a fait le hajj, il a fait la umrah, il a akhirihi. Elle disait, mzian. Après un petit silence, elle fait, un musulman? Elle dit, c'est bien, après un petit silence, elle fait, c'est un musulman? Je te dis, il a fait le hajj, il a fait la umrah, il est parti en Égypte pendant un an, il a appris l'arabe, il parle l'arabe normal, il apprend le Coran. Et tu me demandes encore si c'est un musulman. Mais le plus marrant, c'est pas ça. C'est que la plupart de ces gens qui doutent de l'islam de ces personnes, eux-mêmes, ils font même pas la prière, en général. Ou bien tu vas les voir, ils boivent de l'alcool, ils font des grands péchés. Mais eux, comme ils sont nés, entre guillemets, musulmans, ils sont musulmans, tel maut. Là, c'est pas comme ça. L'islam, c'est pas une chose qu'on hérite à la naissance et qu'on ne perd jamais. L'islam, c'est une réalité qui se manifeste à travers tes actions. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, la farqa bayna ajamiyin wa la arabi illa bit taqwa. Inna akramakum 'inda Allah yattaqakum. Il n'y a pas de distinction entre un arabe ou un non-arabe si ce n'est par la piété. Le meilleur auprès d'Allah Ta'ala parmi vous est celui qui est le plus pieux. Qu'il soit noir, blanc, jaune, chinois, ce que tu veux. Donc ne fermez pas la porte aux gens qui veulent se convertir à l'islam. Même si, pour vous, c'est des raisons futiles. Wa ma yudrik. Vous savez que avant que Omar ibn Khattab radiallahu anhu ne se convertisse à l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah en disant Allahumma a'izza al-islam bi ahadil umarain. Ya Allah, renforce l'islam par un des deux Omar. Donc Omar ibn Khattab, c'était qui le deuxième? Abu Jahl, barakallahu fik. Abu Jahl. Abu Jahl que le prophète a nommé par la suite Fir'aun hadihi al-umma. Le pharaon de cette communauté. Un des pires ennemis de l'islam. Le prophète, alayhi sallam, il a invoqué Allah pour qu'il le guide à l'islam. T'as déjà demandé toi qu'Allah guide Sarkozy? Ou là, Obama, ou là, j'en passais d'autres? Qu'est-ce que t'as à perdre? T'as rien à perdre. Tu demandes à Allah guide les gens vers l'islam. Et il se peut que le pire ennemi de l'islam aujourd'hui soit son plus fort allié demain. Wa ma yudrik, c'est entre les mains d'Allah Ta'ala. قال صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. Les cœurs des fils d'Adam sont entre deux doigts, des doigts d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il les retourne comme il le veut. Kadalikum, j'ai vu une chose vraiment triste. Des frères qu'on connaît qui étaient de confession juive, à la base, et qui sont convertis à l'islam. Eh bien, les musulmans, ils doutent encore de ces gens-là. Il y a même des gens qui lui disent quoi? Un juif, akhi, ça reste un juif. A'oudou billah. A'oudou billah. Ma'ad Allah, c'est quoi ces paroles graves là? Gravissimes, qui ont des conséquences inqualifiables. Pourquoi? Parce que si pour toi c'est une règle absolue, comme quoi le juif il reste juif même s'il devient musulman, ben t'as ta'an, donc là indirectement t'as critiqué des musulmans parmi les compagnons, radiallahu anhum. Wa ala ra'asihim Abdullah ibn Salam, radiallahu anhu warda. T'as critiqué des compagnons comme Abdullah ibn Salam, qui se sont convertis à l'islam. Après avoir été des rabbins les plus savants parmi les juifs, ou encore Zayd ibn Dathana et d'autres. Ça veut dire quoi ça? C'est un musulman, khalas, il est comme toi, il n'y a plus de différence entre toi et lui, c'est un musulman. Oublie ce qu'il était avant.
maintenant, ce qui compte, c'est qu'il est comme toi. Et donc, ces choses-là, il faut les enlever de nos cœurs. Et n'oubliez pas, parce qu'il a dit « La ilaha illallah », il a un haq sur toi, il a un droit sur toi, et tu as des devoirs envers lui. À un point où, pendant une guerre, dans laquelle Oussama ibn Zayd, radiyallahu anhu, le fils de Zayd ibn Haritha, radiyallahu anhu, cet homme, ce jeune garçon vaillant et courageux, dont le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qui faisait partie de ceux qu'il aimait le plus, Oussama ibn Zayd, pendant une bataille, il combat avec un ennemi qui n'était pas musulman. Et au moment où il prend le dessus sur lui et il s'apprête à lui asséner le coup final, l'homme il dit quoi ? La ilaha illallah. Qu'est-ce qu'il fait Oussama ? Il le tue quand même. Il le tue quand même. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il entend ça, il reproche à Oussama sévèrement d'avoir agi ainsi. Il va dire « Qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah ». Tu l'as tué alors qu'il a dit « La ilaha illallah ». Alors Oussama il dit « Ya Rasulallah, innama qalaha tadafu'an ». Il ne l'a dit que pour repousser de lui la mort. Chose que n'importe qui aurait pu penser à ce moment-là. Lui, sur le moment, l'ennemi, s'il avait pu, t'aurait tué. Mais comme il a perdu, entre guillemets, son seul moyen de se sauver, c'était de dire « La ilaha illallah », il l'a dit. Alors Oussama, il a fait un effort de réflexion, après lequel, du moins, qu'il a eu à la fin comme conclusion que cette shahada n'avait pas de poids. Alors il l'a tué. Et le prophète lui a reproché cela, alayhi salatu wassalam. Après, il lui a dit « Qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah ». Il lui a dit « Shaqaqta an sadrih wa attala'ta ala ma fi qalbih ». Est-ce que tu as fendu sa poitrine et que tu as regardé son cœur pour savoir qu'il a dit dans le but de se défendre? Et là, Oussama, il est resté silencieux, il n'a pas su quoi répondre. Et le prophète, il répondait encore, il répétait inlassablement les mêmes phrases. « Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah »« Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah » Il lui répétait, pour lui faire comprendre la gravité de l'acte qu'il avait accompli. À un point, Oussama, radiyallahu anhu, il a dit « Latamannaytu anni lam akun qad aslamtu ba'd » Ou « Latamannaytu anni lam akun aslamtu ba'd » Il a dit, il a tellement répété que j'ai souhaité ne pas m'être converti encore à l'islam. Ça veut dire quoi? Comme ça, il se convertit à l'islam, et la conversion à l'islam, eh bien, elle efface tous les péchés qu'on a fait auparavant. Comme ça, il jouit à nouveau de la conversion à l'islam, qui va lui amener l'expiation des péchés qu'il a fait auparavant. Donc là, tu vois la grandeur de cette parole et à quel point la prononcer, le simple fait de la prononcer, ça a un point immense, un poids immense dans la balance. À un point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il la faisait répéter aux mécréants lorsqu'ils mouraient, pendant leur agonie. Comme cette fameuse histoire dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé voir un de ses voisins qui était de confession juive. Alors qu'il était en train d'agoniser sur son lit, et il avait à ses côtés son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à le visiter. Et lorsqu'il arrive à son chevet, il lui dit « Qul la ilaha illallah ». Dis « La ilaha illallah ». Alors le jeune juif, en train d'agoniser, regarde son père comme ça, comme s'il lui disait « Qu'est-ce que je dois faire ?» Son père lui répond quoi ?« Ati'a Aba al-Qasim ». Obéis à Abu al-Qasim, au prophète alayhi salatu wassalam. Alors l'homme, il dit « La ilaha illallah » et il meurt. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sort de chez lui, qu'est-ce qu'il dit ? Alhamdulillahi alladhi anqadhahu min an-nar. Alhamdulillahi alladhi anqadhahu min an-nar. Louange à Allah, celui qui l'a sauvé de l'enfer. Et pourtant, il n'a dit la ilaha illallah qu'avant de mourir. Wa lakum fi Abi Talib arwa'u amthila. Et dans Abu Talib, il y a un des plus grands exemples aussi. Abu Talib qui a refusé de dire la ilaha illallah toute sa vie, malgré le fait qu'il aidait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le défendait contre ceux qui tentaient de le nuire. Le jour où il était sur le point de mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre chez lui et trouve autour de lui Abu Jahl et les autres de Quraysh. Alors il fait abstraction de leur présence et dit à son oncle, Ya Am, qul la ilaha illallah kalimatan ahujju laka biha indallah. Il dit, oh mon oncle, dis la ilaha illallah, une parole avec laquelle j'argumenterai en ta faveur devant Allah. Et l'oncle, il reste silencieux. Et Abu Jahl, il le regarde, il lui dit, Atarghabu an millati Abdil Muttalib? Atarghabu an millati Abdil Muttalib? Est-ce que tu vas te dévier de la religion de Abdil Muttalib, ton père?
Et là, il a répondu, bal huwa ala millati abd al-muttalib. Bal huwa, c'est faïda dans le hadith. Quand vous trouvez le hadith ici, vous trouvez que c'est Abu Talib qui parle, mais il dit bal huwa. Alors que techniquement, il devrait dire bal ana. Pourquoi? Parce qu'en fait, les rapporteurs du hadith par la suite ont tellement éprouvé de l'aversion à répéter ana ala millati fulan qu'ils ont changé le pronom pour lui attribuer la parole. Le musulman ne veut pas prononcer ce genre de parole. Et même si dans ce genre de contexte c'est autorisé parce que tu ne fais que transmettre la parole d'un autre, la responsabilité elle incombe à celui qui a parlé, et bien malgré ça les rapporteurs du hadith ont préféré dire huwa ala millati abd al-muttalib que de dire ana. Pour ne pas qu'on trouve dans leur registre d'action yawm al-qiyama une phrase dans laquelle ils ont parlé eux et ont dit ana ala millati fulan. Donc l'oncle il a refusé de dire la ilaha illallah. Et il a refusé de quitter la religion de son père. Et il est mort sur la mécréance. Mais quoi qu'il en soit, les savants ont déduit de ces événements-là que si toi demain tu vois un non-musulman en train d'agoniser, exemple, tu es dans la rue, un accident de voiture, et ça arrive beaucoup ça. Quelqu'un qui se fait écraser. Tu vas le voir, tu le vois, il est en train d'agoniser. Et ben tu lui dis, la ilaha illallah. Tu dois lui faire répéter la ilaha illallah. On sait jamais, il est possible que cette personne-là, malgré le fait qu'elle ne soit pas musulmane, ait accompli un bien dans sa vie par lequel Allah Ta'ala a voulu le faire mourir avec la ilaha illallah. Et par lequel Allah Ta'ala a voulu le faire sortir de l'enfer un jour ou l'autre si jamais il est amené à y rentrer. Donc ne néglige pas ce genre d'occasion. Et chaque fois que tu peux être une clé qui va ouvrir une porte de bien, eh bien sois cette clé. Sois cette clé. Et à travers tous ces éléments-là, rappelle-toi la grandeur que cette parole elle a. La ilaha illallah. Et à quel point elle a une valeur inestimable auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala et auprès de ceux qui ont compris son sens. Celui qui dit la ilaha illallah, c'est comme s'il avait planté dans son cœur une graine qui va donner des racines fortes et bien accrochées dans son cœur. Et ces racines-là vont donner naissance à un arbre dont les branches vont être longues, solides et vont donner énormément de fruits. C'est comme ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a comparé la présence de la ilaha illallah dans le cœur du croyant. Qala subhanahu alam tara kayfa daraba Allah mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibah asluha thabit wa far'uha fis samaa تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. As-tu vu comment Allah a donné un exemple, une bonne parole, tel un arbre bon, dont les racines sont fermes, dont les racines sont ancrées dans la terre. On ne peut pas le déraciner cet arbre-là. Tellement ses racines elles sont fermes et puissantes dans la terre et profondes. Même si des ouragans y passent, l'arbre ne bouge pas. Les racines sont profondément ancrées dans le sol, alors que les branches elles donnent vers le ciel. Elles sont hautes vers le ciel. Cet arbre-là donne ses fruits tout le temps par la permission de son Seigneur. Et c'est ainsi qu'Allah donne des exemples aux gens afin qu'ils réfléchissent. Afin qu'ils réfléchissent. Et cet arbre dont Allah Ta'ala parle dans ce verset, plus précisément cette parole, c'est la ilaha illallah. C'est la ilaha illallah. Lorsque la ilaha illallah s'est enracinée dans ton cœur, profondément, elle va donner des fruits. À savoir que les arbres fruitiers, en général, donnent leurs fruits dans certaines saisons de l'année. C'est pas tout le temps qu'ils donnent leurs fruits. Et si on les laisse trop mûrir, ils pourrissent. Cet arbre-là, la ilaha illallah, quand il est dans le cœur, enraciné profondément,
il donne ses fruits tout le temps. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha. Tout le temps, elle donne ses fruits. C'est-à-dire que la ilaha illallah idha tarassakhat fil qulub athmarat a'malan saliha. La ilaha illallah, lorsqu'il s'enracine dans les cœurs, elle donne naissance à des fruits, à des actions vertueuses. Celui qui a la ilaha illallah dans le cœur profondément enraciné, eh ben ça lui donnera naissance à des actions vertueuses tout le temps, tous les jours. Sans aucune lassitude, sans aucune difficulté, il accomplira des actions vertueuses. Il accomplira des actions qui satisferont Allah Azza wa Jal. Quand on reste dans ce verset, ensuite Allah Ta'ala il parle de l'autre groupe. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. Une mauvaise parole est comme un arbre mauvais qui n'a aucune prise dans le ciel, qui n'a aucune prise dans la terre. مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. Elle n'est pas fermement installée. La moindre bourrasque et le tronc s'effondre. Après Allah dit يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah Ta'ala raffermit les croyants dans ce bas monde et dans l'au-delà. قال المفسرون وكاد أن يكون ذلك إجماعا هو الثبات في القبر. الثبات في القبر عند سؤال الملكين. C'est la fermeté dans la tombe lorsque tu es interrogé par les anges. Et de là, on déduit quoi? Celui qui vit avec la ilaha illallah profondément enraciné dans son cœur, qu'il sache qu'il sera maintenu fermement dans sa tombe et qu'il sera guidé vers cette parole lorsqu'on lui posera la question. Mal rabbuk wa ma dinuk wa ma da taqulu an hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Lorsqu'on lui demandera dans sa tombe, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et que dis-tu de cet homme qui vous fut envoyé? Il répondra sans aucune difficulté, Rabbi Allah wa dini al-Islam wa hada ar-rajul Muhammad huwa Rasulullah. Sans aucune difficulté. Pourquoi? Parce qu'il a été ferme ici-bas, même si les gens ont tenté de le nuire, même si les gens ont tenté de l'égarer, de le dévier, de lui faire oublier le sens de cette parole, même si les gens ont tenté de le pervertir, il est resté ferme. Accrocher cette parole-là, sans jamais la délaisser, eh ben, sa récompense sera conforme à la nature de son action, et il sera maintenu fermement dans sa tombe, et répondra sans aucun problème à cette parole-là, à ces questions-là, par cette parole-là. Et même avant même d'être interrogé dans sa tombe par les anges, et de pouvoir dire la ilaha illallah sans problème, avant même cela, lors de ses derniers instants ici-bas, eh ben, il prononcera cette parole. Il prononcera la ilaha illallah. Wa kullukum ta'rifuna hadith Mu'adh radiyallahu anhu alladhi qala fihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui a comme dernière parole dans ce bas monde la ilaha illallah, il rentre au paradis. Et comme il disait Ibn Kathir rahimahullah, laqad ajra al-karim 'adatahu bi karamihi. أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. الكريم le très généreux, le très saint, Allah tabaraka wa ta'ala fait suivre son habitude par sa générosité dans sa création. Quelle est-elle? Celui qui vit sur une chose meurt sur une chose, sur cette chose-là, pardon. Et celui qui meurt sur une chose, il sera ressuscité ainsi. Donc si tu as vécu avec la ilaha illallah, sache bi'idhnillah ta'ala que tu mourras sur la ilaha illallah et que tu seras ressuscité avec les gens de la ilaha illallah et que tu seras ressuscité avec ces gens-là. Wa kama kana Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi yaqul al-mawtu ala al-hayatu ala la ilaha illallah as'abu min al-mawti ala la ilaha illallah. Faman 'asha 'alayha فليبشر أنه سيموت عليها بإذن الله. Il disait, rahimahullah, Sheikh Ibn Baz, que la vie sur la ilaha illallah, elle est plus difficile que de mourir sur la ilaha illallah. C'est plus difficile encore que de rester ferme avec la ilaha illallah toute sa vie. Quand on voit la multitude de dangers
et d'obstacles qu'il y a dans notre chemin. Mais celui qui vit sur la ilaha illallah, qu'il sache qu'en général, il mourra dessus. Donc toi, ton but, c'est de t'accrocher à cette parole-là le plus possible ici-bas. Et tu ne cesseras de récolter ses bienfaits, ses bénéfices et ses mérites. La ilaha illallah, cette parole qu'on appelle kalimatu tawhid, la parole de l'unicité, celui qui la prononce et qui habitue sa langue à la prononcer, qu'il sache qu'il a énormément de récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tout comme Allah ta'ala fait cette parole-là une porte d'entrée vers l'islam, il en a aussi fait une évocation par laquelle tu es récompensé. Et les hadiths qui nous parlent des récompenses qu'on obtient dans le simple fait de prononcer cette parole sont énormément nombreux. على سبيل المثال ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة في اليوم أو في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. Celui qui dit la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Donc il n'y a d'autre divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah. Le seul, aucun associé à lui. له الملك وله الحمد لله لا رويته et à lui la louange وهو على كل شيء قدير et il est certes omnipotent capable de toute chose. Celui qui cite cette formule là dans la journée 100 fois. Donc il s'habitue à la dire le plus possible. Celui qui dit cette parole là 100 fois dans la journée, ça lui donnera la récompense équivalente à celui qui libère 10 esclaves. À celui qui libère 10 esclaves. Très souvent les occidentaux reproche à l'islam et aux musulmans le fait qu'il n'ait pas aboli l'esclavage. Les savants ont répondu à cette accusation de nombreuses façons. Parmi elles, parmi ces façons-là, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala, à travers les nombreuses récompenses qu'il promet aux musulmans dans l'affranchissement, on dit comme ça l'affranchissement des esclaves, a voulu indirectement à ce que les musulmans eux-mêmes abolissent l'esclavage. Dans quel but? Dans le but d'avoir le plus de récompenses possible. Et n'oubliez pas, parce que subhanallah, les occidentaux ils oublient que l'islam, le Coran, la sunna ont été donc révélés dans un contexte socio politique entre guillemets particulier. Parmi ces choses particulières, le fait que l'esclavage était une chose répandue et normale partout. Et ce n'est pas propre aux Arabes, hein. Et qu'ils arrachent de nous donner des leçons alors que ce sont les premiers à avoir démocratisé l'esclavage et les derniers à l'avoir aboli. Mais ça, ils oublient ça. Ils oublient que ce sont eux les partisans de la traite, excusez-moi le terme nègre, hein, et que ce sont eux qui sont les premiers à avoir commercialisé à grande échelle les esclaves et les avoir déportés de leur pays d'origine à l'autre côté de l'Atlantique pour les îles créoles ou bien encore les Amériques. Ça, ils l'oublient, ça. Hein, non, non. Allah yisamah, après, ils font quoi? Ils font un meeting comme ça et le représentant en question, il m'a fait, on s'excuse. T'es sérieux, là? Tu crois que ton s'excuse, il va abolir des centaines d'années d'esclavage? Et après ils se sont libérés, ça y est, c'est bon, je me suis libéré de ce que mes ancêtres ils ont fait subir aux vôtres. La ilaha illallah. Mais le pire c'est qu'ils n'ont, non seulement ça les dérange pas d'agir ainsi, mais en plus, ils ont le toupet, le culot de nous montrer du doigt, nous dire que les musulmans ne sont pas abolis l'esclavage. Venez, on retourne dans l'histoire, et on regarde les premiers pays qui ont, se sont, entre guillemets, débarrassés de l'esclavage. Ben l'esclavage. Al-Muhim. Qu'on regarde. Et qu'on regarde comment dirais-je, les moteurs, les causes qui ont poussé les gens à libérer les esclaves.
en Europe, c'est une loi. Il a fallu faire une loi et imposer aux gens de libérer leurs esclaves. Chez les musulmans, on leur a dit, libérez vos esclaves, vous aurez énormément de récompenses auprès d'Allah Azza wa Jalla. On leur a pas mis le couteau sous la gorge, on leur a rien imposé. Ils sont pas obligés de le faire en plus. Et pourtant, ils l'ont fait. C'est qui mérite le plus de montrer du doigt l'autre? Billah alaykum. Al-Muhim. Quoi qu'il en soit, ça c'est un autre sujet. Mais pour revenir au hadith, celui qui dit la ilaha illallah, cette formule qu'on a citée tout à l'heure, 100 fois dans la journée, il aura autant de récompenses que quelqu'un qui libère 10 esclaves. À savoir qu'il y a énormément de récompenses dans le fait de libérer un esclave. Énormément de récompenses. Et Allah Ta'ala lui donnera 100 bonnes actions. 100 bonnes actions. Et il lui effacera 100 mauvaises actions. Et il n'y aura personne de meilleur que lui ce jour-là. Sauf celui qui dit autant ou plus de fois que lui cette parole-là. Sauf celui qui dit autant ou plus de fois que lui cette parole-là. À ne pas oublier aussi que cette parole-là est aussi une protection du shaitan. Est une protection du démon. Et que toute personne qui prononce cette parole-là 100 fois dans la journée, qu'elle sache qu'elle est à l'abri des attaques démoniaques. À un moment, un cheikh qui était connu pour pratiquer l'exorcisme s'est retrouvé face à une personne qui était possédée. Et donc, durant une certaine discussion avec le démon en question, chose que personnellement je ne conçois pas, mais ça c'est juste on raconte l'anecdote, quoi qu'il en soit, le djinn il a dit au cheikh, je sors à une seule condition, c'est que c'est pour rentrer dans ton corps à toi. Alors le cheikh il lui dit, si tu peux le faire, vas-y. Si tu peux le faire, vas-y. Après un certain temps, le djinn après avoir repris possession du corps de la personne malade en question, dit, j'ai essayé, j'ai pas réussi à rentrer en toi. J'ai pas réussi. Et le cheikh il lui dit, et le cheikh qui raconte l'histoire, il dit, j'ai repensé à tout ce que j'ai fait dans la journée, et je me suis souvenu que j'avais dit cette parole-là 100 fois. Et Bidina, c'est elle qui m'a protégé et préservé de la possession de ce démon. Et on est énormément à se plaindre de ces problèmes et de ces attaques. On voit énormément de frères et de sœurs touchés par ce fléau. Pourquoi? Parce qu'ils ne se préservent pas eux-mêmes de ces choses-là. Et même les sceptiques qui ne sont pas trop convaincus par les possessions démoniaques, on en a vu, ne vous inquiétez pas. Et bien le jour où ils sont touchés, ils sont les premiers à venir frapper à ta porte. Arrive-moi Rukhia. Ah, Al-An. Avant, tu disais c'est des khurafats, ça. C'est des inepties. Mais quand tu es touché, toi, ça y est, tu viens nous voir. Al-Muhim. Donc regardez celui qui répète la ilaha illallah 100 fois tout ce qu'Allah Ta'ala lui donne comme bienfait. Même dans des moments où ça peut paraître pour toi anodin. Comme le fait d'aller au marché. At-Tirmidhi yarwi an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal: "Man dakhala as-souq fa qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kataba Allah lahu alf alf hasana wa maha anhu alf alf sayyi'ah wa rafa'a lahu alf alf daraja." Celui qui en rentrant au marché dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd. Donc ça c'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Yuhyi wa yumit, il donne la vie, il fait vivre et il fait mourir. Wa huwa hayyun la yamut, alors que lui il est vivant et il ne meurt jamais. Allah subhanahu wa ta'ala. Bi yadihi al-khayr, dans sa main le bien. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, et certes il est capable de tout. Celui qui dit cette parole là rentrant au marché, Allah lui écrit 1000 fois 1000 hasanat. Allez, ceux qui sont bons en maths, ça fait combien 1000 fois 1000? 1 million. 1 million. Ça, c'est une technique pour, parce que moi je suis pas très fort en maths, c'était pour vous soutirer la réponse. Donc 1 million de hasanat, rien qu'en disant cette parole là en entrant au marché. Mais c'est pas tout. Et Allah il t'efface 1 million de sayyi'at. Et ne crois pas, il y en a qui vont se dire, waouh, je suis pas un million de CIET quand même. Bon d'accord, je suis pas tip top, mais de là avoir un million de CIET quand même pas. Wallahi, tu sais pas.
Ma tadri wallah. Tu sais pas, ya. Il y a un homme parmi les plus prédécesseurs qui, le jour de ses 60 ans, s'est mis à calculer le nombre de jours qu'il avait vécu. Et il est arrivé à peu près 10 000 jours. Alors il a hurlé et s'est évanoui. Les gens, alarmés par son hurlement, accoururent vers lui et, en le réveillant, lui dirent: Mal, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'as crié comme ça, tu t'es évanoui? Il a dit: ça fait 10 000 jours que je suis responsable de mes actes. Supposons, j'ai fait un péché par jour. Ça voudrait dire que je vais arriver devant Allah avec 10 000 péchés. Que dire alors si j'ai fait des milliers de péchés par jour? Que dire? Des gens qui vivaient dans des déserts où il y avait entre deux maisons peut-être 3 km, où il n'y avait pas une femme à la ronde. Et si on avait eu, elle était couverte correctement. Il n'y avait pas de musique, ni de bar, ni de je passais d'autres, il n'y avait rien. Et pourtant, ils avaient peur comme ça de leur péché. Et nous, on vit au milieu de tout ça. Et c'est comme si on avait des ailes sur le dos et une auréole au-dessus de la tête. Et qu'on se voyait déjà au paradis. Et t'as vu, moi, quand je serai au paradis dans mon palais, je mettrai un mur en or, là-bas, je mettrai un mur en argent. Et à gauche, là-bas, il y aura une 3 ou 4 femmes. À droite, tu sais, on se voit déjà comme si j'étais en train de chercher mon futur appartement. Je connais les galères que tu rentres au paradis. T'as reçu un texto, il y a le truc. Comment tu sais? Omar radiallahu anhu, à qui on a dit: Anta min ahlil jannah. Omar radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: j'étais au paradis, je suis rentré au paradis, j'ai vu un palais. J'ai voulu y rentrer. Et il y avait des femmes dans ce palais-là. Alors j'ai demandé: il y a qui ce palais-là? On m'a dit: il y a Omar. Alors je me suis rappelé de ta jalousie, ô Omar, et je ne suis pas rentré. Omar radiallahu anhu, il m'a pleuré, dit: Ya Rasulallah, afa alayka ughar. Il a dit: à soi, est-ce que je veux être jaloux de toi? Regarde, imagine-toi, pourquoi tu viens te voir te dire: j'ai vu ton palais au paradis. Tu vas oublier toi, tu vas penser au reste. Omar n'a pas pensé au paradis, ou palais au paradis, ou mon enfant au paradis. Il a juste été touché par le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soit empêché de rentrer chez lui, parce qu'il connaissait la jalousie d'Omar. Omar, à qui on a promis le paradis, disait: si j'avais le pied droit au paradis et le pied gauche à l'extérieur, je ne me sentirais pas encore à l'abri de la ruse d'Allah Azza wa Jalla. Et nous, on n'a ni le pied droit, ni le pied gauche, ni rien. Allahu a'lam, qu'est-ce qu'il adviendra de nous? Et on s'y voit déjà. On s'y voit déjà, wallahu musta'an. Donc ne crois pas que tu n'as pas un million de péchés, mon frère. Ne crois pas. Ne crois pas. Al-Muhim, tu rentres au marché en disant: La ilaha illallah wahdahu la sharika la ilaha illahi. Allah, il t'efface un million de péchés. Et il t'élève d'un million de degrés. À un point où les salafs, les plus prédécesseurs, quand ils ont entendu ce hadith, ils allaient au marché que pour dire cette invocation. C'est tout. Ni pour acheter, ni pour vendre, ni pour rencontrer des gens. Ils n'y allaient que pour dire cette invocation et bénéficier de l'immense récompense qu'elle promet. Donc la ilaha illallah, de par son immense vertu, apporte énormément de récompenses. Chose qui est tout à fait normale pour celui qui réfléchit. Et aussi, elle efface énormément de péchés. Elle efface énormément de péchés. Comme ce fameux hadith dans lequel, qui est rapporté par Ahmed, rahimahullah, imam ahli sunnati wal jama'a, rahmatullahi alayh, d'après Abdullah ibn Amr ibn As, radiyallahu anhuma, قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. Celui qui dit لا إله إلا الله et الله أكبر et الحمد لله et سبحان الله et لا حول ولا قوة إلا بالله, ces paroles expieront ses péchés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Tu vois, quand la vague, elle arrive sur la plage, il y a avec elle une sorte de mousse blanche. Regarde comment elle longe la mer en long et en large. Eh bien, si tu as autant de péchés qu'il n'y a d'écume dans la mer, et que tu dis ces paroles-là, eh bien, l'effet de ces paroles-là, et entre autres, la ilaha illallah, est d'expier tous ses péchés.
وما أحوجنا إلى أن يكون لساننا رطبا بهذه الأذكار. Et qu'est-ce qu'on a besoin à ce que nos langues gesticulent en prononçant ces paroles-là? Dans quel but? À ce que nos péchés soient expiés. Et Allah sait mieux que quiconque combien de péchés on peut avoir sur les épaules. Et autre hadith aussi que vous connaissez tous, qui est rapporté par Ibn Majah wa ghayruhu, عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يصاح الرجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول الله عز وجل هل تنكر هذا من هذا شيئا فيقول لا ورب فيقول لا يا ربي فيقول الله أظلمتك كتبت الحافظون فيقول لا والله ثم يقول سبحانه ألك عن ذلك حسنة فيقول الرجل لا فيقول الله تعالى بلى إن لك عندنا حسنات وإنك لا تظلم وإنه لا ظلم عليك اليوم وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول عبده ورسوله فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول الله إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. Hadith ma'rouf, mashhour. Comme quoi, on amènera un homme de ma communauté le jour du jugement devant tout le monde. Devant tout le monde. Un jour où tout le monde sera réuni, du premier au dernier être humain, ainsi que le reste des créatures. On lui dira, on lui sortira 99 parchemins, qui sont tous aussi longs que l'étendue que la vue puisse atteindre. Donc tu vois, maintenant imagine-toi dans le désert, il n'y a rien, aucun obstacle devant toi, jusqu'où ta vue, elle peut s'arrêter. Très loin. Eh bien, on lui déploiera des parchemins aussi longs que cette étendue. Il y a quoi dans ces parchemins-là que ces péchés? Il y en aura combien des parchemins? 99. Et Allah lui dira, est-ce que tu renies une des choses qui sont présentes dans ces parchemins? L'homme il dira rien. Il dira non ya Allah, je ne renie rien de tout ce qu'il y a devant moi. Alors Allah lui dira, est-ce que mes anges chargés d'inscrire tes actions t'ont fait du tort? Il répondra non. Alors Allah lui dira, est-ce que tu as avec cela une bonne action? Et l'homme il répondra non, je n'en ai pas. Allah lui dira si, tu as auprès de nous une bonne action. Et sache qu'aujourd'hui on ne te fera pas de tort. Tu ne seras pas lésé ou opprimé. Alors on lui sortira une carte sur laquelle sera inscrit j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah et que Mohammed est son esclave et son messager. Et on lui donnera. Alors l'homme il dira, ya Allah, qu'est-ce que cette carte? Comment cette carte peut-elle rivaliser avec autant de parchemins pleins de péchés? Allah lui répondra, tu ne seras pas lésé aujourd'hui. On posera les parchemins sur un des plateaux de la balance. Et on posera la carte sur l'autre plateau de la balance. Et les parchemins s'envoleront. Tachat. Ça veut dire quoi? Que le poids de la carte, il est tellement lourd par rapport à celui des parchemins qu'ils se sont envolés avec le poids de la carte. Et c'est donc la ilaha illallah qui l'emporte sur les péchés. D'ailleurs, dans une version du hadith, innahu la yathqulu ma'a ismillahi shay. Il n'y a rien qui peut faire le poids devant le nom d'Allah Azza wa Jal. Et que dans une version du hadith, si on mettait les cieux et la terre dans le plateau d'une balance et la ilaha illallah dans l'autre, et bien c'est la ilaha illallah qui l'emportera. Donc celui qui dit la ilaha illallah comme il le faut, et ça on va y revenir incessamment sous peu, qu'il sache
que quels que soient les péchés qu'il a accomplis, bien entendu, à partir du moment où ils sont inférieurs à l'association, alors qu'il sache que la ilaha illallah a comme vertu à ce que ses péchés soient expiés. La ilaha illallah, on a vu qu'est-ce qu'elle pouvait apporter ici-bas et entre autres le jour du jugement dans ce qui concerne l'expiation des péchés. On a aussi vu que celui qui la prononce avant de mourir, il fera partie des gens du paradis. Au cadal, comme celui qui la prononce de son vivant, il sera facilité dans la réponse qu'il donnera aux anges dans sa tombe. Mais dans ce qui concerne le jour du jugement, qu'est-ce que la ilaha illallah va lui apporter? Premièrement, elle va lui permettre à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède en sa faveur. Comme في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة أبو هريرة رضي الله عنه أجيب قفة صلى الله عليه وسلم أو مسجد الله qui seront les gens qui seront le plus heureux par ton intercession le jour du jugement. Donc intercession c'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou autre, car il y aura plusieurs intercessions ce jour-là, donc intercède en ta faveur ou bien en faveur de quelqu'un qui a le droit à l'intercession ce jour-là. C'est-à-dire qu'il demande à Allah tabaraka wa ta'ala de soit, si tu fais partie des gens du paradis directement, de t'élever tes degrés au paradis, ou bien si tu n'es pas encore entré en enfer mais que tu as plus de péchés que de bonnes actions, qu'Allah te fasse rentrer au paradis directement sans que tu passes en enfer à cause des péchés que tu as. Ou bien si tu es rentré en enfer, eh bien qu'on te fasse sortir de l'enfer plus vite. Ça consiste généralement en cela, l'intercession. Eh bien, il y aura plusieurs degrés de personnes le jour du jugement qui jouiront de cette intercession-là. Et ceux qui seront le plus heureux par l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont-ils? C'est la question qu'il pose Abu Huraira radiyallahu anhu. فتجي عليه الصلاة والسلام لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. Il dit premièrement, j'avais certes pensé que personne avant toi ne me poserait cette question, car je savais que tu étais assidu dans l'apprentissage de la science. Après il lui dit أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. Celui qui aura le plus droit à mon intercession le jour du jugement, qui en sera le plus heureux, est celui qui a dit la ilaha illallah sincèrement dans son cœur ou dans son âme. Il l'a dit sincèrement, sans rechercher à travers cela un quelconque bienfait de ce bas monde ou bien un quelconque avantage de la part de qui que ce soit. Il l'a dit sincèrement pour Allah Azza wa Jal, seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a dit la ilaha illallah, que dans ce but-là, qu'il sache qu'il fera partie de ceux qui auront l'extrême privilège de recevoir l'intercession du prophète alayhi salat wa salam. Kadalikum, celui qui dit la ilaha illallah, eh bien, ça lui servira de rempart contre l'enfer. Ça lui servira de rempart contre l'enfer. كما في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الله interdit à l'enfer celui qui dit la ilaha illallah en recherchant la face d'Allah et son agrément, sa satisfaction. Donc celui qui dit la ilaha illallah dans le but de satisfaire Allah Azza wa Jal, qu'il sache qu'Allah a interdit l'enfer de le toucher. Donc tu as, comment dirais-je, le bénéfice d'avoir l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'enfer t'est interdit et de surcroît, le paradis t'est réservé. Le paradis t'est réservé. Comme dans le sahih muslim, le hadith d'Abi Huraira radiyallahu anhu, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah » لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وجل صلى الله عليه وسلم جاتست qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré qu'Allah et que je suis son messager.
Il n'y a pas une personne qui rencontre Allah Ta'ala avec ces deux attestations sans avoir aucun doute à leur sujet, sans qu'il ne soit éloigné de l'enfer. Dans le sens où il ne va pas les rencontrer et en même temps être éloigné de l'enfer. Donc celui qui prononce ces paroles-là sans avoir de doute à leur sujet et qui rencontre Allah Ta'ala ainsi, eh bien il ne sera pas séparé de l'enfer. Il ne sera pas éloigné, pardon, du paradis. Il ne sera pas éloigné du paradis. Donc de surcroît, il fera partie de ses arbitres. Et comme je vous le disais, les hadiths à ce sujet-là sont nombreux. Très nombreux. Et celui qui veut plus de détails, qui retourne aux livres qui ont été écrits à ce sujet, notamment dans Kutub al-Sunnah, Kassahihayni wa Sunan, il y a des chapitres entièrement consacrés à cela dans ces ouvrages. Ou encore Kitab al-Tawhid de l'imam Ibn Khuzaymah, ou Kitab al-Tawhid de Muhammad Ibn Abdel Wahhab, ou encore les ouvrages qui ont été écrits à ce sujet par nos grands savants, rahmatullahi ala al-jami'. Mais il reste un point important à préciser. C'est que dans tous les hadiths qu'on a cités, on parle du fait de prononcer la ilaha illallah. De le dire. Avec sa bouche. Il ne faut pas comprendre de ces hadiths-là qu'il est suffisant de prononcer verbalement cette parole pour bénéficier de tout ce qu'on a cité comme avantage et comme mérite. La plupart des gens aujourd'hui, malheureusement, parmi les musulmans, prononcent cette parole sans en comprendre le sens. Et de surcroît, s'ils ignorent le sens de cette parole, ils ne l'appliquent pas correctement. On a dit « La ilaha illallah, la ma'bouda bihaqin illallah ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adorer réellement en dehors d'Allah. Et cette parole-là, elle est bâtie sur deux piliers. Sur une négation et sur une affirmation. Et elle commence par la négation. Ce qui signifie que tu ne pourras faire partie des gens qui disent « La ilaha illallah » réellement que lorsque tu auras renié tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc toute personne qui attribue l'adoration à autre qu'Allah, même si elle répète « La ilaha illallah » tous les jours, eh bien, il n'a pas appliqué cette parole comme il le faut. Et il n'a pas compris le sens de cette parole comme il le faut. Et il n'a pas appliqué cette parole comme il le faut. Comme les savants ils nous disent, même si celui à qui on attribue l'adoration en dehors d'Allah jouit d'un rang élevé, comme un ange ou un prophète, « La malakun muqarrab wa la nabiyun mursal » Pourquoi ces deux catégories-là? Parce que ce sont les plus hauts degrés qu'on peut atteindre chez les créatures. Un ange rapproché d'Allah, ou bien un prophète qu'Allah ait envoyé à son peuple. Chez les êtres humains et les anges, ce sont les plus hauts degrés qu'on puisse atteindre. Et si quelqu'un attribue quoi que ce soit l'adoration à une de ces deux catégories-là, qu'il sache qu'il a accompli le pire des péchés qui est l'association. Et qu'il n'aura pas respecté la première partie de cette parole qui est « La ilaha ». La ma'bouda. Il n'y a pas d'adorer. Donc tu ne pourras être un vrai mouahid que lorsque tu auras renié tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et c'est seulement après que tu pourras affirmer qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le seul et unique à mériter l'adoration. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Donc celui qui renie le tarout, donc de façon globale, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et qui croit en Allah, alors il s'est certes accroché au lien solide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc que les personnes qui lorsqu'ils achètent une nouvelle maison, ou bien une nouvelle voiture, ou bien lorsqu'ils ont un enfant, qui vont prendre un poulet, ou bien n'importe quel type de bête, et qui vont égorger, dans le but de se protéger des démons ou bien du mauvais œil, qu'ils sachent qu'ils n'ont pas compris la ilaha illallah et qu'ils ne l'ont pas appliqué. Ces personnes qui se rendent dans les tombeaux, dans les cimetières, auprès des tombes de personnes considérées comme étant des pieuses et des saintes, et qui se mettent autour de leur tombe et qui se mettent à tourner comme si c'était autour de la Kaaba, et qui aussi égorgent auprès de leur tombe, ou bien carrément qui s'adressent aux morts, ou bien carrément qui demande aux morts, à la place de demander à Allah Azza wa Jal,
qui sache qu'il n'a pas respecté la ilaha illallah, qu'il n'a pas compris son sens, et qu'il est très loin de la ilaha illallah, et qu'il ne fait pas partie des gens qui bénéficieront de tout ce qu'on a cité comme mérite et vertu de cette parole. Il ne suffit pas de la prononcer seulement. Ce n'est pas suffisant de se contenter de dire la ilaha illallah sans rien faire à côté pour croire qu'on va bénéficier de tout cela. C'est comme les gens, ils nous disaient quand on était petit, avant de dormir, tu dis la ilaha illallah. Comme ça, si tu meurs, c'est bon, t'es passé. C'est comme si tu étais à la foire du trône, ou bien tu vas prendre le métro, t'as les tourniquets là. Hein, tu regardes à droite à gauche, il n'y a pas de contrôleur, et tu sautes, c'est bon, je suis passé. T'as cru que c'était comme ça avec Allah Azzawajal ou quoi? Le gars, il fume, il boit, il fait tout ce qu'Allah il a interdit, il prie pas, il fait pas de bien, il fait rien. Avant de dormir, il dit, là, il est droit. C'est des trucs bizarres. Là, il s'embrasse les doigts, il s'embrasse, je sais pas, il s'embrasse quoi, le mouhim. Il est là en train de dire, après il va dormir. Il a insulté ses parents là, juste 10 minutes avant. Il a mangé des choses interdites, il a bu des choses interdites, il a volé, il a fait du mal, il a rien fait de ce qu'Allah lui a rendu obligatoire. Il va dormir, il dit, là, il est là, il croit que si jamais il meurt comme ça, il croit qu'il va aller au paradis miskin. Billah alaykoum, il va bénéficier de cette parole-là, celui-là. Donc les gens, il faut qu'ils connaissent le sens de cette parole. Et c'est étrange que dans les mosquées, donc moi je vais dans énormément de mosquées, et je fais énormément de... Enfin, je vois beaucoup de gens, et j'ai remarqué, notamment chez les personnes âgées, l'intérêt qu'ils ont quand on parle de fiqh. Ils aiment bien le fiqh. Et quand tu parles du fiqh, mais les qui sont encore mieux. Hein? قال ابن عاشر في منظومته أو قال الأخضري قال ابن إيش المهم ابن عبد البر أئمة المالكية المعروفون il bouge plus, il cligne plus des yeux, presque il respire plus. Après quand le dars est fini, ah dars هذا كان ممتاز. Mais quand tu fais un dars sur Tawhid al-Aqida, il s'endort. C'est bien qu'il cherche à savoir faire les ablutions, la prière, le jeûne, le pèlerinage. Hada c'est un wajib ala kulli muslim. An yatafaqqaha fi ma yajibu alayhi min al-ibadat. C'est un devoir pour chaque musulman de s'instruire dans ce qui lui est obligatoire comme adoration. Mais qu'il sache que le premier pilier de l'islam, c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et c'est par ce pilier-là que tu rentres dans l'islam. Et que tu peux être le plus savant dans la prière, ou bien dans la zakat, ou bien dans le siyam. Si tu fais du shirk à côté, ça ne te sera pas utile devant Allah Azza wa Jalla. Combien de gens, subhanallah, ont fait la khutbah toute l'année, tous les vendredis, on met en garde contre l'association, et t'apprends quoi? Les gens, ils arrivent au bled, et ils font des shirkiyats. Ils vont voir le shawwaf, hada, le devin. Sa femme, elle a perdu ses bijoux. Et comme ha'oula, ghaliban du'afa ou l'uqul, c'est des gens, ils sont faibles d'esprit. Leur femme, elle a perdu la samta en dhab. Tu vois la fameuse... T'as vu les stars de catch quand ils gagnent des tournois, ils ont des grosses ceintures, ils les posent sur leurs épaules comme ça. La même chose, mais c'est la maman qui l'a à la maison. Dans le coffre-fort, quand il y a un mariage, elle la sort, c'est elle la plus forte. Hein? Quand c'est le mariage, moi, vous connaissez le schéma. Qu'est-ce qui se passe? Tiens! Daoulna la santa. Et des fois, le mari, il a pris un crédit pour lui acheter sa ceinture. La ceinture d'Hulk Hogan, je l'appelle. Et moi... La femme, elle est comme ça en train de dire à son mari, c'est la règle chouette, radigoulna fin kifna. Va voir le devant, tu verras, il va nous trouver à l'eau. Et le mari, d'un côté, il est pressé par sa femme, et de l'autre côté, quand même, il y a 10 000 euros dedans. Ça lui ferait du mal de la retrouver. Et il va faire quoi? Il va voir le chouette. Et il va chez lui, et il frappe à sa porte, et c'est là le comble de la sottise et de l'imbécilité. Il va chez un devin, qui soi-disant va lui retrouver sa ceinture en or. Il frappe à sa porte, le devin, il dit quoi? Je vous le donne en 1000? Shkoun, c'est qui? T'es sérieux là? T'es un devin, tu peux trouver une ceinture dans le désert. T'es capable de savoir c'est qui frappe à ta porte normalement. Mais non, le bonhomme qui vient frapper chez lui, il réfléchit pas à ça. Hein? Il frappe, shkoun, ah, c'est du foulen. Tfaddal, qu'est-ce qu'il te faut? Hein, il lui pose des questions. Mais t'es un chouba, tu sais qu'est-ce qu'il me faut? Arqa marti tlfat samta djel hadel djel. Ah, d'accord. Bouge pas. Il reste comme ça, il se met en position, comme soi-disant, c'était des versets, mais ce n'est pas des versets qui restent, c'est des shaytaniyat, des sha'wad. Après, il dit, tu vas aller dans tel jardin, quatrième arbre à gauche, tu fais 6 pas, tu trouves, tu vas la trouver. Hachib. Excusez-moi le mot. Hein. Et le hmar, il va
comme il a dit le chouaf. Naam, je le dis, le humar, naam. Les Arabes, ils disaient ça. Quand quelqu'un était bête, ils disaient, hada ajhalu min himari ahli. Irji'u la kutub al-arab. Vous trouverez ces paroles-là en vrac. J'ai même trouvé un livre d'un peu prédécesseur qui a pour titre Fadlul Kilab ala kathiri mimman labisa thiyab. C'est un livre, vous savez, c'est la poste, voilà, a montré que le chien, dans plein de domaines, il est meilleur que l'être humain. Que l'être humain, quand il est vraiment au summum de la bêtise, le chien, il est mieux que lui. J'ai même trouvé que chez les Arabes, c'était pas une insulte de quelqu'un que c'était un chien. Au contraire, c'était une qualité. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais il disait ça. Fulan al-Rabi al-Safi ajhalu min himari ahli. Il disait comme ça. Un tel, l'imbécile, le stupide, il est encore plus ignorant que l'âne de sa famille. Donc ne le prenez pas mal. Et celui qui s'enlisait par cela, ben qu'il arrête de faire du shirk et puis personne ne l'embêtera. Et si on dit ça, c'est pour son bien. Comme ils nous disaient nos parents quand on était petits, ma mère, elle me disait tout le temps quand je faisais bêtises, fais le dba'. Et je ne savais pas c'était quoi le dba'. Jusqu'à ce qu'on a grandi, on a étudié un peu le fiqh, et on tombe dans Kitab al-At'ima, dans le fiqh, ou bien encore dans Mahdurat al-Ihram, dans Saïd, dans la chasse, et tu trouves le hadith Al-Dhab'u min al-Saïd. Al-Dhab'u, c'est quoi? C'est la hyène. Hein? Après, j'ai dit à ma mère des années après, tu m'as traité de hyène. Wallah haram alik. Al-Muhim. Donc nos parents nous disaient Al-Hamar, nous disaient ce que tu veux, Adi, tout va bien. Tu l'as accepté, puis tu l'as avalé, puis tu passais à autre chose. Et bien là, faisons-toi. Si tu n'aimes pas ce mot-là, et si tu te sens visé par ce qu'on dit, c'est que tu es cette personne-là bête, qui n'a pas de aql, qui va chez le chouaf, et qui lui demande où la ceinture de ma femme elle est à la fille. Et quand il te dit elle est là-bas, elle est là-bas, elle est là-bas, et bien tu y vas. Wallahu musta'an. Et tu peux dire là, elle est là toute la journée. Et bien en faisant ça, فَقَدْ كَفَرْتَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدْ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. En faisant ça, tu as mécru et tu as renié ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est agib. Ok, Ahbab. T'attends les gens, ils font quoi? Ils ont de bâche. Quand ils ont acheté, ils sont rentrés dans un nouvel appartement. Lorsque un de mes enfants est né, je ne me rappelle plus lequel, j'ai été donc faire le sacrifice et je suis tombé avec une famille. Je ne sais plus de quelle origine ils étaient. Lorsqu'ils ont sacrifié leur bête, ils avaient le bébé avec lui. La dame, la mère, elle a pris du sang de la bête qui venait d'être égorgée. Et elle a commencé à en mettre sur le front du bébé. Agib. Et j'étais étonné parce que c'était une des ada, une des habitudes que les Arabes ils faisaient avant l'islam. Kanu yulattihuna as-sabi bidam al-aqiqa. C'est ce qu'ils faisaient les Arabes avant l'islam. Et aujourd'hui, encore, ils le font ces gens-là qui disent des musulmans. Subhanallah. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Idh qal, latattabi'unna sunana man kana qablakum al-hadith. Et là, dans notre hadith, il n'y a pas une des choses qui ont été faites dans le jahiliya sans qu'il y ait dans ma communauté quelqu'un qui fera la même chose. Et là, le verset du hadith, les savants ont dit qu'elle était faible. Après, il y a divergence là-dessus. Hatta wa in kana fihi man ata ummahu, la wajadtu fi ummati man yaf'alu dhalik. Même s'il y avait parmi eux quelqu'un qui avait forniqué avec sa mère, eh bien on aurait trouvé quelqu'un dans ma communauté qui aurait fait la même chose. La même chose. Al-Muhim, sache que prononcer cette parole-là seulement, sans la comprendre ni l'appliquer, elle ne te sera d'aucune utilité. Elle ne te sera d'aucune utilité. Un point, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il disait « هذا الأمر كونه التلفظ بها لا يكفي معلوم من الدين بالضرورة » معلوم من الدين بالضرورة ثم قال رحمه الله فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار فلا بد من قول القلب وقول اللسان. Ils disent, même les hypocrites, ils disent la ilaha illallah, et pourtant ils sont en dessous de ceux qui renient la ilaha illallah en enfer. Il est obligatoire de dire la ilaha illallah avec la langue et avec le cœur. Et c'est quoi dire la ilaha illallah avec le cœur? C'est que toutes les actions que tu accomplis en tant que musulman, tu ne les fais que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hubbuk lillah, burduk lillah, salatuk lillah, zakatuk lillah, hajjuk lillah, birruka bilwaliday lillah, tijaratuka ma'an nas lillah, wa mu'amalatuka ma'ahum lillah, kullu shay lillah azza wa jalla.
فإذا كنت كذلك فقد نطقت بها من قلبك. Toutes tes actions tu les fais pour Allah, si tu es ainsi, alors tu auras certes dit la ilaha illallah avec ton cœur. Et c'est seulement celui qui dit la ilaha illallah avec son cœur et ensuite avec sa langue qui aura le bénéfice de tout ce qu'on a pu vous citer comme hadith et d'autres encore, même s'il a énormément de péchés sur les épaules, tant qu'il n'a pas associé Allah Azza wa Jal quoi que ce soit, tant qu'il n'a pas attribué quoi que ce soit à qui que ce soit dans la création. Personne. L'adoration elle est que pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour personne d'autre. Ni un prophète, ni un ange, ni un saint, ni une pierre, ni une tombe, ni un arbre, ni rien du tout. ومن آياته الشمس الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي فطرهن إن كنتم إياه تعبدون. Et parmi ces signes, le jour, la nuit, le soleil et la lune, ne vous prosternez pas envers le soleil ni envers la lune, et prosternez-vous devant Allah, celui qui les a créés, si seulement vous l'adorez réellement. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا وقولا وعملا وأن يجنبنا كل عمل فيه شرك وأن يجعلنا ممن يحظى بفضائل هذه الكلمة إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم